Alger tombe en juillet 1830 et il apparaît tout de suite nécessaire de créer une troupe adaptée à ce pays. Il y a sur place des troupes turques et en octobre 1834, le général Clausel monte un premier régiment de cavalerie légère. Puis il recrute exclusivement parmi ces Turcs qui sont restés, puis c'était la garnison d'Alger autour du dé d'Alger. Et il crée ce premier régiment de Spahis qui devient quand même rapidement régiment de l'armée régulière. Marémonge sera le premier officier spahis français. Youssouf, le premier officier indigène. Venu de Tunis proposer ses services d'interprète à la France, très proche des notables du pays, il sera l'homme incontournable, souvent aussi très contesté, qui attirera dans ce nouveau corps des cavaliers que la France veut dans ses rangs plutôt que de les avoir contre elle. C'est peut-être ce miracle de l'uniforme qui raccourcit pour les spahis le long cheminement de l'histoire. Le spahis d'aujourd'hui fait penser à Youssouf qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous rouges dans toutes les guerres françaises. Salam alaykoum. La tansaw l'a'jab bil video wal ishtiraka fil qana. Tajji'an lana linastamirra bi nashri al-mazidi insha'Allah.